La ilaha illallah. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les présidents des institutions ou représentants, messieurs les représentants des chancelleries occidentales, mesdames et messieurs les généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chers tous, au nom de la famille, des enfants spécifiquement, je voudrais vous dire merci. Merci à tous d'avoir pris de votre précieux temps pour venir honorer la mémoire de ce digne fils du pays. Merci également à l'armée pour cette très belle cérémonie. Ma prise de parole, ce sera pour dire, primo, merci. Je profiterai pour passer également un message et s'en suivra un témoignage. Mes remerciements et celles de ma famille vont particulièrement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a personnellement pris toutes les dispositions depuis la maladie du papa jusqu'à aujourd'hui. On lui dit encore merci pour tout ce qu'il continuera à faire pour la famille. L'émotion est grande, il n'a pas pu supporter d'être là aujourd'hui, mais nous tenons à lui remercier spécifiquement. Je veux aussi dire merci au nom de la famille, au Premier ministre, à tous les ministres, à tous les collègues, collaborateurs, amis et anonymes de mes frères et sœurs qui ont témoigné toute leur compassion à notre égard pendant cette épreuve. Papa, le mardi, en prenant la route de Tunis, mes frères et moi avons rapidement dit au revoir en disant qu'on partait te rendre visite. Comme message, ta femme, notre mère, les sœurs qui sont restées, tes petits-enfants, les voisins, tes frères et sœurs, bref, tous qui ont été informés nous ont chargés de te saluer, de te dire qu'ils t'aimaient, qu'ils t'attendaient. Beaucoup de vœux de prompt rétablissement ont été formulés. Nous n'avons pas pu te les transmettre parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. L'homme propose, Dieu dispose. Nous estimons que du haut du ciel, tu es présent parmi nous ici et que tu peux entendre tous ces messages de réconfort qui t'ont été adressés. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces jours heureux que tu nous as donnés parce que tu n'avais que la joie et le bonheur à partager. Gloire à Dieu pour cette fin si honorable pour ta personne, pour ta carrière, pour ta vie et pour l'homme de foi que tu es. L'humilité et le silence, aussi le respect, étaient les premières choses que tous qui t'ont côtoyé remarquaient au premier contact avec ta belle âme et ta belle personne. Par respect à ces valeurs, je ne m'étalerai pas sur ta personne, mais je veux résumer en disant que toi tout seul, tu es à la fois une histoire, une vie, une école, un modèle et un exemple. Merci pour tout, papa. Merci, mon général. Merci, boss, comme on t'appelait très affectueusement. On ne se réjouit pas de la mort d'un être aussi cher. Mais il est aussi évident que nous ne devons pas aussi pleurer après toute l'attention et la sympathie dont nous avons été l'objet.
La famille vous dit merci. Que toutes les prières formulées avant, maintenant et celles à venir soient bénéfiques pour le repos éternel de l'âme de notre père, le général Diarra. Notre père était un humain, donc imparfait. Notre père était aussi un chef militaire. Et vous comprendrez donc qu'on ne peut pas commander innocemment. Au nom de la famille, je veux respectueusement demander pardon à toutes celles, à tous ceux qui, volontairement ou involontairement, ont été heurtés par notre père. Nous vous demandons humblement de l'accompagner dans vos prières. Que Dieu accepte son âme au paradis. Amen. Je vous remercie. Oraison funèbre. Le général de division Diarra Camara, matricule 1898G, à la retraite n'est plus. Né en 1943 à Kobeladou, préfecture de Massanta, fils de feu Bala et de feu Sona Traoré. Incorporé dans les forces armées guinéennes, au comté du 21 décembre 1964, appelé sous le drapeau de l'armée nationale guinéenne pour 3 ans, au comté du 21 décembre 1964, référence décision numéro 11, DNS CAP du 24 décembre 1964. Nommé à l'emploi du premier classe pour comté du 15 mai 1966, référence décision numéro 375, DRS MGA du 30 juin 1965. De 1965 à 1966, est désigné en qualité de moniteur au centre d'instruction d'infanterie de Kindia. Du deuxième bâton, réengagé pour 2 ans, le 15 mai 1966, pour compter du 21 décembre 1906, contrat homologué par l'intendance générale à Conakry sous le numéro 87 du 8 août 1966. A obtenu le certificat d'aptitude technique numéro 1, reclassé en l'échelle indice de solde numéro 2 pour compter du 1er novembre 1966, référence ordonnance numéro 074 du 15 novembre 1966. De la compagnie du quartier général est affecté à l'aviation militaire pour compter du 7 avril 1967, référence arrêté numéro 187. Nommé au grade caporal pour compter du 1er juillet 1966, référence arrêté numéro 565, APS, CAP du 4 août 1967. Nommé au grade adjudant-chef, pour compter du 1er janvier 1971, référence arrêté numéro 1060, CEP, CAP du 26 décembre 1970. Désigné pour un stage en technique d'aviation en Fédération de Russie, Almata, où il obtient une spécialisation en moniteur et serrure en 1971. De 1971 à 1983, ingénieur technicien à l'aérodrome. De 1975, est désigné pour une spécialisation sur le MiG-21 à la Fédération de Russie. Promis au grade de sous-lieutenant, pour compter du 28 septembre 1975, référence décret numéro 470, PRG, du 15 septembre 1975. Promis au grade de lieutenant, pour compter du 1er mars 1980, référence décret numéro 104, PRG du 4 mars 1980. De 1984 et 1986, surveillant des mines à l'aérodrome. De 1986, est nommé inspecteur général adjoint des forces armées. Promis au grade de capitaine, pour compter du 1er juillet 1991, référence décret numéro 124, PRG, SGG du 30 juin 1991. Promis au grade de commandant, pour compter du 1er octobre 1995, référence décret numéro 264, PRG, SGG du 29 septembre 1995. De 1997 à 1998, est désigné comme observateur militaire à la mission des Nations Unies. Médaille de Namibie Sow en 1998. Nommé officier adjoint par intérim à la première région militaire de Kindia en 1998. De 1998 à 2000, est nommé commandant du bataillon autonome de Boki, désigné pour les cours d'état-major en Chine en 1999.
de 1999 à 2000 et désigné à l'Université de défense à la République populaire de Chine. De 2000 à 2001, est nommé directeur du centre d'instruction d'infanterie de kilomètre 36, nommé commandant de la 3e région militaire de Cancan en 2001, promu au grade de lieutenant-colonel au compté du 1er avril 2001, référence décret numéro 033 PRG SGG du 29 mars 2001, promu au grade de colonel au compté du 1er novembre 2006, référence décret numéro 032 PRG SGG du 1er octobre 2006, élevé au grade de général de brigade au compté du 12 mai 2007, nommé chef d'état-major général des armées au compté du 12 novembre 2007, référence décret numéro 024 PRG SGG 2007, élevé au grade de général de division en 2008, médaille de grand officier de l'ordre national de mérite et croix de guerre en 2008, admis à faire valoir son droit à la retraite pour limite d'âge et ancienneté de service au compté du 27 décembre 2008, référence ordonnance 003 PRG CNDD 2008, décédé le vendredi 9 février 2024 par suite de maladie, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants. Général de division Diarra Camara, par ton courage, ton dynamisme, ton engagement sans borne, ta disponibilité constante, ta volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie, nous inspire au plus haut degré. Au seuil donc de ta dernière demeure, nous promettons de suivre ton bel exemple de courage et d'abnégation. Général de division Diarra Camara, tes parents, tes amis, en un mot, tous ceux qui t'ont connu, avec lesquels tu as eu à côtoyer, charité, ont tenu à t'accompagner pour te rendre un dernier hommage mérité. Au nom du commandant en chef suprême des armées, du ministre d'État chargé de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major de l'armée de terre, du directeur général de la pension militaire et ancien combattant, le commandant du bataillon de quartier général et tous tes compagnons d'armes, souhaite que la terre bénie de Guinée, que tu as tant aimé et servi, avec dévouement et abnégation, te soit légère. Que ton âme repose en paix. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les hauts cadres de l'administration civile et militaire, à vos rangs et grades observés, officiers, sous-officiers et hommes du rang, nous avons perdu un homme de valeur. J'ai servi avec le général Diarra, ici au camp Samori. Parmi les officiers avec lesquels j'ai servi durant ma carrière militaire, Diarra était un homme d'exception. Affable, honnête, intelligent et doux. Permets-moi en même temps de parler de Diarra, mais avant tout de présenter mes voeux les plus attristés à sa veuve qui est là. Ce que nous, les militaires, nous avons dans nos sacs au dos. Et à sa famille propre. J'ai remarqué Diarra grâce au général Abdourahmane Diallo qui me l'a présenté. Et il l'avait employé dans son état-major ici. Nous avons travaillé ensemble. J'ai remarqué en lui un homme intelligent et de décision ferme. Je n'ai pas été étonné que le général Lansana Conté le choisisse comme chef d'état-major général des armées, car à l'époque, l'armée guinéenne était dans une situation difficile. Diarra, qui est un homme doux et simple, a pu contenir et gérer ses problèmes.
à la mort de Lansana Conté, nous savions tous, ici, présents, les anciens, que la jeunesse était prête à prendre le pouvoir. Mais nous nous sommes abstenus de nous immiscer dans leurs problèmes. Aujourd'hui, je considère Diarra comme un frère, comme un ami. Il est parti et il me manque. Et il manque à beaucoup d'officiers de l'armée guinéenne. Je souhaite que la terre de Guinée qu'il a aimée et servie avec abnégation lui soit légère. Et que son âme repose en paix, que le Dieu le reçoive dans son paradis éternel. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, Excellence, Monsieur le ministre, au cadre de l'État militaire et civil, officiers généraux, officiers, hommes de rang, amis et frères, après le discours de mon fils, je n'aurais plus rien dit, nous n'avons plus rien à dire que vous remercier. Je viens ici humblement vous remercier, remercier le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, pour toute l'assistance qui a été donnée à notre famille depuis la maladie de mon frère jusqu'à sa mort. Nous en sommes comblés. Vous nous avez consolés, que Dieu vous console. Tout ce que nous avons vu est plus fort que des mots. Depuis la mort, notre maison n'en désemplissait pas. Des visites et des visites et de la compassion. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir eu un père, un frère comme le général Diarra Camara. Il était le chef de notre communauté, la communauté de notre village à Conakry. Humble, comme l'a dit, les gens l'ont dit, simple, calme et très dévoué pour sa communauté. Nous venons ici sincèrement vous remercier, remercier le gouvernement, les différentes autorités qui sont venues dans notre maison, les civils et militaires qui sont venus nous saluer, qui sont venus consoler la maman. Nous vous disons merci. Nous transmettrons ce que nous avons vu ici, nous transmettrons aux parents au village. Mon frère a quitté son Dabaladou natal pour venir servir son nation. Aujourd'hui, nous sommes comblés qu'il a été démontré qu'il a servi loyalement son pays. Nous en sommes fiers. Nous sommes attristés par sa disparition, mais nous sommes réconfortés par la sympathie du peuple de Guinée. Nous vous disons merci, beaucoup merci encore, une fois merci.